Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je teste, bon, je l'ai déjà fait dans mon 4x4, mais aujourd'hui je le fais tranquillement dans ma petite 206 PLR. Petite vidéo en conduisant. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de route, tout ça. Je verrai bien ce que ça donne en montage. Donc soyez conciliants sur la qualité de cette vidéo, c'est un test. J'ai envie de pouvoir évoluer sur cette chaîne, faire des choses, tester de nouvelles choses. Donc voilà, clairement là, c'est un test, la qualité je sais pas du tout ce que ça va donner, peut-être que je n'uploaderai même pas cette vidéo. Mais voilà, tout simplement, soyez conciliants sur la qualité de la vidéo, s'il vous plaît. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'oie, hier, elle est panée, elle n'a pas éclos, elle avait beaucoup de mal, et le fait qu'il y ait un ventilateur dans la couveuse, ça fait qu'elle a vachement séché. Et elle était plus capable de sortir d'elle-même. Du coup, ce matin, vers 10h30, 11h, j'ai pris la décision de la sortir moi-même. Donc, oui, bah voilà. Clac, je vous claque un petit timelapse de quand je l'ai fait. Voilà, du coup j'espère que ce petit timelapse vous aura plu. J'essayais de changer de musique comme vous me l'avez demandé tranquillement. Donc voilà, c'est pas évident vraiment d'en trouver. Donc voilà, si vous avez des idées de musique, clairement ne me dites pas va voir cette chaîne là, je les connais les chaînes de prendre d'auteur. Le difficile c'est de trouver une musique déjà sans parole et qui correspond bien à un timelapse, tu vois ce que je veux dire. Donc à ce niveau là c'est pas forcément évident. Et du coup oui, aujourd'hui là, direction, je pars. Et du coup j'ai déréglé mon rétro. Si vous voyez me baisser comme ça, c'est que je regarde derrière les voitures qui me suivent sur le climat. Bref, du coup aujourd'hui je vais chez mon grand-père pour aller chercher de la nourriture pour l'oie. Alors c'est un aliment spécial oie, mais enfin spécial canard, mais ça marche aussi pour les oies. D'ailleurs un petit oie, ça s'appelle un oison. Mais je sais pas, j'aime pas dire oison, ça me fait trop penser à oisillon, qui est le petit danoiseau. Donc on va dire un bébé oie. Je préfère vraiment un bébé oie. Et du coup là, alors en fait il avait acheté de la nourriture pour les canards, il avait une canne qui couvait, sauf qu'elle n'a pas eu de petits. Il y a zéro œuf qui ont fonctionné. Cette année c'est une année très difficile, hein. J'ai plusieurs connaissances. Pareil, des oies qui couvent, il y en a eu zéro. Une poule qui couve, il y en a eu un, alors qu'il y avait 12 œufs. Une autre poule, 11 œufs. Non, 13 œufs, il y en a eu 2. Cette année c'est vraiment une mauvaise année à ce niveau-là. Ça vient du temps, ça vient d'un tas de choses qu'on peut difficilement savoir, quoi. Cette année c'est une mauvaise année, donc c'est pour ça que moi, je suis très content avec mes 11 poussins sur 21 l'autre fois. Et là je suis très content d'avoir eu une oie. Même si les 6 premiers œufs n'ont pas marché, je pense c'est parce qu'on ne les a pas conservés correctement avec mon grand-père. Parce qu'on les a conservés 15 jours avant de les mettre en couveuse. Voilà, donc là il nous reste 6 œufs, donc il y en a un qui a eu 7, je crois, je sais plus. Donc là il y en a un qui a éclos et les autres vont éclore jusqu'au 28 parce qu'on les a mis petit à petit dans la couveuse. Donc jusqu'au 28 il y a des possibilités d'avoir d'autres oies. Je ne vais pas vous faire une vidéo à chaque fois, vous inquiétez pas, je vous tiendrai juste au courant. Et il y a une énorme différence entre une oie et un poussin. Je pensais que ça serait ressemblant. Mais au final c'est vraiment pas pareil. Vraiment pas du tout. Les oies c'est beaucoup plus complexe. Vraiment. Donc voilà, à ce niveau-là, par exemple, rien que déjà dans sa morphologie, on ne se rend pas compte comme ça, mais quand l'oie allait sortir, elle ne ressemble pas du tout au poussin. Ça, c'est fou, les gens qui sont pressés. Je suis 10 km/h, bon, c'est une route limitée à 70, je suis à 60. Le mec, il me dit, c'est ouf comme ils sont pressés, sachant que je tourne à 100 mètres. Enfin bref, ça aussi, ça me fait toujours rire. Ouais, il y a vraiment une différence, et les oies c'est beaucoup plus compliqué à gérer au niveau de la couveuse que les œufs de poule. Les œufs de poule t'as juste à les retourner deux fois par jour, pardon, pas toutes les deux semaines, alors que l'oie faut les retourner deux fois par jour, plus les humidifier avec de l'eau, et déjà il faut une humidité beaucoup plus haute, c'est difficile de la tenir. Surtout avec le dernier temps qu'il a fait, il faisait un coup chaud, un coup sec, ça a d'énormes répercussions. Attends, il y a
là il y a un gros Donan. Voilà. Du coup ouais, les oies, au niveau des oies, il faut les humidifier. Là actuellement je les humidifie 4, 5, 6 fois par jour pour qu'en permanence l'humidité elle soit assez haute et que la coquille se ramollisse. C'est vraiment assez ouf. Il y en a même qui les sortent, qui font des systèmes de refroidissement par roulement de 30 minutes toutes les 8 heures, enfin bref, il y a, toutes les 12 heures, pardon. C'est très très complexe les oies, donc je suis vraiment très très heureux d'avoir eu une naissance. Je vous cache pas qu'il n'est pas super super en forme, alors je sais pas si c'est normal. On verra bien, en tout cas, je m'en occupe du mieux possible pour qu'il survive, mais voilà, il n'est pas super en forme. C'est comme ça, quasiment, de toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui foirent pas, et je suis vraiment très content. Même si ça foire pas, ça me fera une belle expérience, et l'année prochaine, on réussira, c'est pas grave. Chaque fois, je modifie des petits trucs pour améliorer la chose. Pareil pour les œufs de poule, la prochaine fois, je modifierai certaines choses aussi. C'est, voilà, c'est du test. Du coup, voilà, voilà. Alors là, je suis dans un chemin en terre, la caméra elle doit trembler, mon gars, je t'explique pas. Donc voilà, là j'arrive bientôt chez mon grand-père, je prends le chemin en terre pour le moment. Et puis du coup je vous ferai voir la nourriture, puis quand je rentre, je sais pas si je vous filmerai l'oie, si elle est pas en forme, j'ai pas envie de vous la filmer. Et tchou, y'a les boss. On se retrouve tout à l'heure les gars, du coup là, comme j'arrive chez mon grand-père, ok. Alors voilà les gars, je suis finalement, enfin là je suis rentré chez moi, on est le soir, et bonne nouvelle, l'oie va beaucoup mieux, elle commence à utiliser ses pattes, elle commence à les bouger, elle commence à se déplacer un petit peu, je vais vous la montrer, et elle commence à maîtriser son cou, parce qu'elle a un très long cou, je vais vous faire voir tout ça. Hop. Voilà, alors je sais pas si vous m'entendez bien. C'est pas évident de tout gérer. Mais voilà. Alors là, attendez, faut que je règle le retour en même temps. Ok. Alors, voilà. Vous devez la voir. C'est pas évident. Faut que ça fasse le focus. Essayez de vous trouver un endroit où il n'y a pas trop de saleté sur la vitre. Bon, attendez, laisse-moi faire, c'est ça. Hop. Hop. Voilà, là vous la voyez, la petite oie. Donc elle s'est calée entre les œufs tranquillement, elle est pépère, elle est au chaud. Et elle commence à bouger, elle fait sa petite vie tranquillement. Je pense que dans un jour, elle commencera à pouvoir galoper un petit peu, voire même cette nuit. Tranquillement, là, elle passe la plupart de son temps, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle bouge un petit peu, puis elle se rendort. Puis 15 minutes plus tard, elle va se réveiller, elle va bouger un petit peu, puis se rendormir. En tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique à voir. Vous voyez, bon voilà, c'est encore saccadé les gestes, mais elle commence à bouger quand même son cou et à prendre possession de tous ses membres. C'est quelque chose qui doit vraiment... Ah, elle est magnifique là. Et elle commence à... Elle a ouvert ses yeux, alors que ce matin, elle n'ouvrait pas les yeux. Ça m'inquiétait un peu. Mais là, maintenant, elle ouvre les yeux, cette petite oie, donc je suis super content à ce niveau-là. Voilà, voilà. Je vous montrerai la nourriture plus tard, mais c'est le même principe que les poussins, c'est des petits granulés de nourriture. Et pour l'instant, je ne lui donne pas, parce que... Faut savoir qu'après une éclosion, on n'a pas besoin de la nourrir pendant 48, 72 heures. Enfin, pardon. J'ai dit une grosse connerie. Pendant 24 heures après naissance, en fait, l'oie ou le poussin, n'importe, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut dans son œuf pendant les 24 premières heures. Il a absorbé tout ce qu'il fallait avant d'éclore pour pouvoir se démerder 24 heures sans avoir soif ni avoir faim. Donc là, il est tranquille. Il peut vraiment prendre possession de ses moyens. Ça prend un petit peu de temps. Et puis après, on va commencer à pouvoir lui donner à manger au bout de 24 heures, tranquillement. Et c'est vraiment fou parce que ça comprend tout seul comment il faut boire. Parce que c'est pas comme nous, on prend un verre où on a nos parents qui nous montrent. Là, c'est l'instinct. Elle trempe son bec, elle le met dans sa bouche. Et ensuite, elle relève le cou en l'air pour faire couler l'eau, ainsi de suite. J'essaierai de vous le filmer quand ce sera. Donc voilà, là, vous voyez, elle s'est rendormie tranquillement. Elle s'est rendormie en mode pépère. Ah. Elle se réveille un petit peu, enfin vous voyez comme elle fait. Et ça c'est bon signe, ses plumes commencent à aller mieux, le duvet à s'épaissir, enfin bref, voilà, voilà.
Très bonne nouvelle, je suis super content de ma petite voix, tranquillement, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à mettre des likes. J'ai regardé un petit peu le rendu dans la voiture, ça donne pas trop mal, j'ai envie de dire. Le bruit bizarre de mon monteur, c'est juste mon pot d'échappement qui est dévissé par rapport à la sortie. Faut juste que je le revisse et je l'ai pas encore fait. On le fera peut-être en vidéo, enfin bref, on verra. Ça, c'est qu'un petit détail. Voilà, enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si ça vous plaît. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.